Et salut les amis, c'est Pixel Marizou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit gameplay sur Battlefield. Oui, Battlefield, bien sûr, oui. En fait, je dis ça parce que je viens juste de sortir de Battlefield 1. Donc, on se retrouve sur Halo 5. Donc, on est sur Xbox One. Hein, car, comme vous avez peut-être pu voir ma dernière vidéo sur un petit gameplay sur Gears 4, eh bien vous savez que je me suis acheté la One. Voilà, alors par contre, donc là du coup je suis en train de faire un petit stream vite fait. Alors par contre, par rapport à la PS4, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que sur PS4 c'est plus simple. Voilà, il suffit d'appuyer sur 2-3 boutons et on stream direct. Là il faut aller directement sur l'application, c'est voilà, c'est un petit peu long. Alors par contre, je vais enlever. Alors vous voyez. En principe, ça devrait être bon, voilà. Allez, c'est parti. Allez, donc on est sur Halo 5, on est au tout début. La deuxième mission. On incarne Master Chief. Avant, on n'incarnait pas Master Chief. Par contre, graphiquement, c'est super beau, hein. Et encore, le jeu date d'il y a 2 ans. Ouais, ça fait un bout de temps qu'elle a abandonné la station, à mon avis. Parce que pour qu'il y ait des squelettes. Bien, prends ça on your face. Ah, mais merde. Il fallait que je chope par derrière. J'ai pas eu le temps de voir. Boom! Boom, bitch, get out the way! Je regarde s'il n'y a pas des trucs à choper, j'aime bien dans les jeux quand il y a des trucs à récupérer. Merde, 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 merde! Viens, prends ça dans ta face! Merde. Alors, il faut que je reprenne le coup un petit peu d'Halo parce que ça fait pas mal d'années que j'ai pas joué. Le dernier que j'ai joué c'était au 4 à l'époque sur 360. Et vu que j'ai surtout maintenant l'habitude de la manette PS4, du coup faut que je me remette dans le bain. Comme par hasard. Tiens. Centre de données. On a un jeu complet de clés de sécurité pour la station. On devrait pouvoir trouver les plans de l'Argent Moon et un passage jusqu'au poste de contrôle central. Accès aux données autorisé. J'ai accès aux banques de données. Prends les données et la carte des affectations. Le hangar d'assemblage droit devant nous mènera au poste de contrôle central. Bien, chef. Il reste encore des rôdeurs dans les hangars. Des rôdeurs. Aucun membre de l'ONI n'a survécu, j'imagine. Ou Walking Dead? Non. On y va. D'ailleurs, la série Walking Dead, les amis, je vous la conseille si jamais vous n'avez pas encore franchi le pas. Un ascenseur. Là, je viens juste de finir la saison 6 actuellement. Et c'est pas mal du tout. Donc le jeu est faisable en coop à 4. Bon, là, je suis tout seul. Tout a l'air en vrac. J'ai pas d'amis. Des pièces sur ce vaisseau expérimental. Des charognards, ils font main basse sur tout ce qu'ils trouvent. La guerre de l'Alliance Covenant contre l'Arbiter doit mal se passer. Julem Dama est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un prophète. Bien sûr que non. C'est un imposteur. C'est un joli petit fusil à pompe. Passe par ce mur. Passons à travers. Ah, carrément, passons à travers le mur.
avant et qu'il pleut. Il faut que je cours. J'ai un visuel. Tiens, boum. D'accord, on est dans l'espace. Ok. Ils sont où? Oui, il faut écraser. Et voilà, prends ça en ta gueule, putain. Oui, c'est vrai qu'on a plus trop le droit de dire de gros mots maintenant sur YouTube. Tiens. Allez, recharge toi, Master Chief. Je t'appelle même Master Chief pour rien. Et il est tombé, hop, dans le vide. Putain, quel con. C'était pas ça que je voulais faire, c'était B. Oh putain, je suis mort. J'ai besoin d'aide. Par contre, si vous pouvez vous grouiller, ça serait sympa, merci. C'est reparti. Plus là-bas, du coup, là, comme je vous le disais, je viens tout juste de sortir d'une partie de Battlefield 1. Ah. Et non, pas ça, je te prends l'épée, voilà. Être bon l'hydra, ça ne s'appellerait pas hydra pour rien. Allez, en charge. Jamais ça t'arrive de crever, toi. Ah putain, j'avais pas fait gaffe. Ouais, donc comme je vous disais, du coup, je viens tout juste de sortir d'une partie de Battlefield 1. C'est vrai, alors sur PC, par contre, ma Battlefield, je joue sur PC. Et je peux vous dire que... ça change, hein, le gameplay. Bah déjà, quand on passe d'un clavier souris à une manette... Mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Gamer un jour, gamer toujours. Y'a un rapace. C'est qu'il est déjà passé alors, parce qu'il passe et il rapace. Petite blagounette. Un peu trop loin. Voilà. Ennemi abattu. Direction le poste de contrôle central. Le poste de contrôle central est derrière ces portes. Il faut
faut que je fasse vite. Enfin, putain. Je suis tombé dans l'huile, je crois. Il a fait vite pour se... Équipe bleue au rapport. Pour se remettre sur pied. Sierra 117 à équipe bleue au rapport. Sierra 117, vous me recevez ? Tu es tout seul. Et ouais, tu sais qui c'est, John Spartan. C'est Cortana. Je croyais qu'elle avait disparu. Si je te le dis. Courir. Bref, la mission avant tout. On en parlera plus tard. Lumière. Frédéric, indique-nous le poste de contrôle central. Affichage des plans. Il y a un ascenseur en état de marche, mais il se trouve 4 étages plus bas. Guide-nous. Regarde, s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Je sais qu'on peut récupérer des crânes aussi dans les halos. Personnellement, j'en ai jamais trouvé des crânes, que ce soit dans tous les halos, j'en ai jamais trouvé. Alors je sais qu'ils sont super bien cachés, souvent. Ennemi en vue. Putain, j'ai failli crever. Putain, j'ai plus de munitions, fais chier. Il est mort. Système planté. Système planté, oui, c'est moi qui ai planté. Merci. Major, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Cortana?
pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? S'il te plaît, tu me vois, je suis pas n'importe qui, ok? Meridian est un trou perdu. Si elle est toujours en service actif, qu'est-ce qu'elle fabrique aux confins de la frontière? Et qu'est-ce qu'ils attendent là, mes collègues là? Ah, c'est bien de l'intelligence artificielle ça. Ah, les kamikazes. Ah, il y a l'autre là qui arrive là. Il y a le gros. Des chasseurs, ils sont juste derrière nous. Crève toi, je te dis. Toi tu crèves aussi toi. Des munitions. Niveau 3. Encore un et on aura trouvé l'ascenseur pour le poste de contrôle. Allez, maintenant j'ai l'épée. Je suis invincible. Les Covenants activent leur réseau de combat. Les vaisseaux Covenant sortent du sous-espace. Ah, c'est magnifique, ça. On est en sous-effectif, Major. Plusieurs milliers contre un. Hors de question qu'on leur livre l'argent de Moon. On ne peut pas non plus battre la moitié des Covenants en combat rapproché. Alors tant pis pour le poste de contrôle central. On passe à l'opération sabotage et on évacue l'argent pour deux. Le cœur du réacteur est dans les parages. Même tactique que pour le Perpetual Devotion. On provoque une surcharge et on évacue. Le bâtiment explose et détruit tous les vaisseaux alentour. Le réacteur est au droit devant. On peut passer par les gaines de ventilation. Je vous indique le panneau d'accès. Sur les ondes covenantes. Les nouveaux venus prétendent qu'il est mort. Quelqu'un a tranché la tête de l'Alliance. Bravo. Les chasseurs. Ils sont forts mais lents. Utilisez l'équipement du labo pour rester en hauteur. Feu à volonté. Putain, il y en a deux. Prendre ça plutôt pour les faire de loin parce que... Bon, j'arrive pas à grimper, c'est pas grave. Kelly.
Ah ouais. Je suis à terre. J'aurais pas dû. J'ai besoin d'aide ici. L'ennemi charge. Allez, Major. L'ennemi en vue. J'ai besoin de renfort. Oh. Et ben tant pis, c'est pas grave. Je suis mort. Bon, du coup, je crois que je vais mettre... Les amis, je sais pas combien de temps la vidéo a duré. J'irai peut-être 10-15 minutes, je sais pas. Bien, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut !